on est parti sur une séance d'eau. On commence par un tirage vertical. Gotta watch when they thirst for fame. He ain't about to piss on me and tell me it rain. No, I be busy, no, I be working, yeah. But I know that everything ain't perfect, look. Most of all, knowing it ain't working. Ok, c'est quoi le mouvement en fait? Donc là, c'est un mouvement vertical, on va travailler un petit peu les rhomboïdes, on va travailler un petit peu le grand rond. Ok. Et le grand dorsal. D'accord. Donc on est parti sur la prise verticale avant, et là on va partir sur la prise verticale nuque. Ok, d'accord, voilà. Ça marche. Could have paid more attention, figured it wasn't worth it, but I ain't tripping. What was you when we was coming up? What was you when it was just me? Pourquoi le dégressif? Alors en fait, dégressif, ce que je fais toujours en fin de séance. Ouais, ça sert à quoi? En fin de série. Le but, c'est de tétaniser un petit peu le muscle et c'est de travailler un petit peu la congestion. Ok, d'accord. Sur le tirage nuque, en général, j'en fais jamais. Je me fais cocher, donc j'écoute. C'est parti. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for rap. We talk real life through sound and packaging. Feel so many times we mastered it. But we bounce back, take action, kid. Look what just a little action did. Old chicks wanna converse with me since Converse hit us and they think we rapping big. Look, I know I never test back. Bonne sensation. Yeah. Tryna touch a grandbaby. Mama on my ass by the grandbaby. And you could be the one, I coulda. Toujours contre le mouvement, donc on est parti sur pareil vertical, mais on est parti sur la prise nuque. L'avantage, c'est de ressentir un petit peu d'autres sensations. Ok. Et là surtout, se travaille un petit peu le haut du dos. Et combien de séries, combien de reps? Alors là, j'ai fait 3 séries. Ok. Enfin là, j'attaque ma 3ème série, pardon, à 10 reps. Ok, ça marche. Voilà. Donc là on part sur quoi? On est parti sur du tirage horizontal. Ouais. À l'inverse du vertical, on travaille un petit peu les dorsaux. D'accord. Travaille un petit peu aussi les bras. Et travaille un petit peu le haut du dos aussi. Ok, c'est parti, combien de reps? 10 reps. Ok. 10 reps et 3 séries. I see you watching, nigga. Little do they know I got that sound. In his eyes when you see him, man. You can lose that bread, don't lose that love. Don't lose it, no. Strong will won't bend nor fall. Little nigga, but I will stand tall. Bricks on my back like a laborer. I serve it up like a caterer. We all about loving. J'adore. Sensation? Excellent. Parfait. On part sur du rowing là. On va partir sur du rowing, donc au niveau du mouvement légèrement fléchi au niveau des jambes. Ok. D'accord. Soit en prise pronation, soit en prise supination. En prise supination, ce qu'on a par rapport au dos, c'est qu'on travaille un petit peu l'action, un petit peu plus sur le dos. Ok. En prise pronation, on est vraiment sur un petit peu le bas du dos, un petit peu le milieu aussi. Et pareil, on cherche toujours à développer un petit peu le dorsaux. Donc c'est parti. Donc attention à la posture à chaque fois aussi. Pas cambrer le dos. Hating us, bread's hard and they don't know. Red bone, she won't go. Bet she leave when the bread go. I remember waking up at night, thinking where mama at. Yeah. Grabbing Bobo out the bed, yeah. Looking for her in the dark night. Man, the shit that I seen, I don't wish on nobody. But believe it made me stronger. Look at what it made me. Little do they know I got the pesos. Little do they know I got the say so. Yeah, yeah. Moi je valide. On va faire la partie biceps. Là ce qu'on va faire, c'est du biceps incliné. Donc au cœur. Cœur incliné. Okay. Cœur incliné, ouais. Pour avoir une amplitude large au niveau de l'exécution du mouvement. Ok. On va caler le dos. Pied bien après le sol. Et c'est parti.
No, I came from nothing to rich. I hear them screaming, run, 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 run. I can see you watching, nigga. Little do they know I got that sound. We rolling. Little do they know I run the town, yeah. I play, I say. When I do, I do. When I do, I do, I do. Pops told me once, nigga, don't you cry about it. Don't you ride beside it. If you ain't willing to die for it, better keep your family tight, tight, right. And never hold back if you know your way to the light. I wake up and I go to sleep thinking when I pray for the real, ain't got no time for pretend. What you wanna do, eh? Faire 10-10. On part sur du la barre avec la barre Z. D'accord. Ok. Debout et pris serré. Et pris serré. Ouais, ok, pris ça serré. Marche. Pour travailler un petit peu aussi les avant-bras et travailler un peu plus vite. Ok. C'est parti. On est parti. Ça cible quoi? Ouais. Donc là j'ai pris avec le fils neutre pour bien cibler sur le biceps, le volume du biceps. Tout à l'heure j'ai commencé avec un petit peu écarté pour travailler un petit peu l'extérieur aussi de moi. Ok, ça marche. Voilà. Merci, j'étais avec Guillaume aujourd'hui, on a fait une séance dos-biceps. Je mets toutes les infos de Poco, coach Poco, en barre de description. Voilà, vous trouverez toutes ces infos. N'hésitez pas à le rejoindre, bête de coach. Et Montana Fitness à Port d'Orléans. Okay. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook, ce sera Pio Coaching. Sur Instagram, ce sera pio.o04. Et sinon sur mon site internet, pio-coaching.com. Et je vous invite aussi à aller sur la page YouTube de Guillaume. Super vidéo et super bon cœur. Bon bah merci. Bonne séance, merci à toi Guillaume. Merci à toi. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Ça marche. Ciao.